Evgenia et Geoffrey, bonjour. 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 Alors, racontez-nous un peu, vous avez terminé deuxième des masters à Épinal, mais ça fait combien de temps que vous patinez ensemble? Ça fait, je pense, 4 ans. 4 ans, très bien. Alors, un petit retour, Geoffrey, sur les masters, qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux? Ça a été une belle compétition. On avait des petits problèmes de logistique. J'avais un peu mal aux pieds à cause de mes patins. Mais sinon, on a fait deux belles performances. On est très contents. Et ça promet pour la suite. Alors justement, à propos de la suite, quelles vont être les prochaines échéances, les prochaines compétitions? La prochaine semaine, nous allons partir à Nice. C'est compétition internationale. D'accord. Et puis ensuite? Après, on enchaîne avec Turin et Grenoble, nos deux grands prix. Très bien. Et ça sera les élites après. Au mois de décembre. Tout à fait. Et si on peut parler un petit peu des grandes échéances européennes mondiales, est-ce que vous visez une sélection? Comment est-ce que vous appréhendez justement cette deuxième phase de la saison? Bien sûr qu'on pense à aller à l'Europe et pourquoi pas au championnat du monde si c'est possible. Après, on va donner tout ce qu'on peut et on verra bien comment ça s'enchaîne. Mais oui, on vise la sélection pour l'Europe. Ouais. Super. Et ben bon courage et puis à très bientôt sur la glace. Merci.